Bonjour, bienvenue à vous pour ce match amical, international. Je vois que Pierre, vous êtes bien installé. Oui, le fauteuil est confortable, tout va bien, on va pouvoir y aller. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre la Turquie face à la France. Dans quelques instants, ce sera le coup d'envoi de ce match. Oui, Hervé, on va suivre cette rencontre entre ces deux nations aujourd'hui. En règle générale, ça donne du bon spectacle, on va bien voir. La composition de l'équipe locale qui s'affiche, c'est donc un 4-5-1 classique que l'on va retrouver dans cette formation. On densifie le milieu pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu, mais aussi pour placer un contre. L'architecture du stade qui accueille cette rencontre n'a rien de révolutionnaire, c'est moins qu'on puisse dire. Ouais, c'est un stade omnisport avec une immense piste d'athlétisme tout autour de la pelouse. Alors évidemment, on ne voit pas grand-chose. Bon, Akilmaz. Pogba. Olivier Giroud. Griezmann. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Donne dans l'axe, attention. Ouais, bien présent le gardien sur cette action, mais ce n'est pas fini. Il a préféré dégager ce ballon. C'est incroyable, il a bien tenu la baraque sur ce coup-là. Ouais, la frappe de loin. Oh, quelle frappe! Oh, quelle frappe magnifique! Une frappe d'une puissance absolument exceptionnelle. Le gardien est obligé de s'incliner. Il avait une petite ouverture, il a choisi de frapper de loin, ça lui a souri. On revoit ce but au ralenti. Quelle frappe! Les Bleus qui font la course en tête dans cette partie. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Ouais, bon tacle, hein. Il lui a pris le ballon. Attention à l'éventuelle contre-attaque. Ouais, c'est trop tard, tout le monde est revenu à son poste. Ouais, pas de carton jaune, l'arbitre veut calmer le jeu. Raphaël Varane. Paul Pogba. Ouais, il tacle dans sa propre surface avec beaucoup de sang-froid. Raphaël Varane. Pogba. Il décale vers Matuidi. La frappe de Griezmann. Très mal donné, hein, ce ballon. Pogba. Et le but! Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Mais c'est vrai que on oublie parfois que la finesse peut être aussi efficace. Qu'est-ce que la force? Ouais, joli sang-froid de la part du buteur. J'espère que c'est pas trop grave. L'entraîneur préfère le faire sortir. Ouais. D'ailleurs, il file au vestiaire, à mon avis, tout de suite pour faire un premier diagnostic avec le médecin. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Attends, Calhanoglu. Bon, Akilmaz.
Hassan Ali Kaldirim. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Antoine Griezmann. Paul Pogba. Attention, il a du champ devant lui. Pogba. Le ballon qui sort et c'est un corner pour la France. Allez, pleine surface, le corner. Paul Pogba. Et c'est la barre qui repousse, ce n'est pas terminé. Assez pénible ça de voir le cadre repousser une si belle occasion, mais bon, c'est le feu. Hein. Oui, il a pris l'information, il a vu qu'il avait du soutien. Il prend sa chance. Un but tout en finesse. Et ça fait deux pour lui. Un doublé pour ce joueur. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Gökhan Gönül. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Allez, il y a du monde pour reprendre. La passe est interceptée. Samuel Umtiti. Mbappé. Choisit la frappe. Un superbe frappe en finesse. Le gardien qui est battu. Les Bleus qui sont en train de prendre le large dans cette partie. L'écart qui commence à être très intéressant. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Et le dernier mot pour le gardien. On jouera 2 minutes de temps additionnel. Kingsley Coman. Griezmann. Ouais, bien joué la passe en profondeur d'Olivier Giroud. Et la voilà la frappe. Ah, il dégage ce ballon. C'est la pause ici et il n'y a déjà plus de suspense. La domination est très nette, l'adversaire n'arrive pas à sortir les ballons et en face ça joue vraiment bien. Vos impressions Pierre sur les 45 premières minutes jouées par Paul Pogba? Il a signé un doublé qui a eu son importance dans cette première période. Son équipe a le match en main désormais. C'est reparti pour 45 minutes avec un petit peu plus de suspense si possible. Ah oui, j'espère, parce que sinon c'est moins intéressant à suivre. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Burak Yılmaz. Kingsley Coman. Pogba. Ah, il est bien placé pour centrer. Paul Pogba. Griezmann. Benjamin Pavard. La frappe. Ah, il tient à marquer cette rencontre, on dirait. Hein. Est-ce qu'il arrivera à en mettre un troisième? Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain. Devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Il s'est récupéré. Kylian Mbappé. C'est dans le paquet pour Giroud. Ah, c'est pour personne. Ah, il ne s'est pas embêté avec la relance. Hein. Boum. Burak Yılmaz. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes.
Ouais, une passe ratée, ce n'est pas son habitude. Kylian Mbappé. Ouah, il passe pas, il s'est fait reprendre. Ouais, très propre ce tacle. Ça sera donc une touche. Et dernière consigne du sélectionneur turc avant ce changement. Hervé, on va voir si ce changement modifie le cours du match. On sent que les supporters locaux, ils ont pris un sacré coup sur la carafe. C'est clair, Hervé, on ne les entend quasiment plus. Il faut dire que l'adversaire a tout de suite su imposer son rythme et prendre le match à son compte. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Laïs. Paul Pogba. Et ce ballon de Pogba qui ne trouve qu'un joueur adverse sur son chemin. De France qui a récupéré le ballon. Bon, Kilmaz. Mbappé. Et la touche sera pour la France. Les dernières consignes du sélectionneur turc avant ce changement. Ouais, l'entraîneur qui préfère injecter du sang frais à ce moment du match. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement. Mbappé. Paul Pogba. Il s'est fait passer le défenseur. Il choisit la frappe. Et dans le tir qui est contré. Ouais, sans prendre de risque, il a dégagé ce ballon très loin. Pogba. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Mehmet Topal. Il ne reste que 2 minutes à jouer dans cette rencontre. La passe aérienne, pas mal. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Et 2 minutes seulement ont été ajoutées par l'arbitre. J'ai vraiment l'impression qu'on ne verra plus grand-chose dans ce match. Le ballon qui circule de manière totalement stérile. Ce match amical qui se termine donc sur cette victoire facile. Il n'y a pas eu beaucoup de suspense. Cette rencontre qui s'achève donc sur cette victoire assez incontestable. Un match à sens unique. Quelques mots peut-être sur la prestation de Paul Pogba. Belle prestation de sa part, vraiment, avec 2 buts et la victoire dans la poche. Il a l'air content.